Bonsoir et bienvenue dans Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, nous partons dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans l'Aisne. C'est l'un des départements les moins peuplés de France et pourtant ce soir, il va être le lieu de trois affaires criminelles où se mêlent violence, meurtre et mystère. Voici Crime, l'Aisne entre crime sauvage et disparition. À Villequier-Aumont, Fanny, 41 ans, mène une existence paisible. Elle est décrite comme étant quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement ouvert aux autres, d'extrêmement agréable, mais également de cultivé, d'intelligent. D'ailleurs, depuis quelque temps, Fanny héberge un de ses amis et sa fille. Aux petits soins pour ses hôtes, elle noue avec eux une relation très forte. Mais le 7 mai 2017, tout bascule lorsque Fanny est retrouvée morte à son domicile. Elle est décédée d'une asphyxie, d'une obstruction des voies respiratoires aériennes. On sait que rien ne pouvait expliquer cette obstruction des voies respiratoires, qui donc ne pouvait venir que d'une cause extérieure. À Malzy, Guy est inquiet. Il n'a plus de nouvelles de sa femme, Dominique, depuis la veille. Et il se rend à la gendarmerie pour signaler sa disparition. D'importants moyens vont être déployés pour essayer de retrouver rapidement Dominique, le jour même et les jours qui ont suivi. De battues ont été organisées. Les gendarmes ont aussi fait appel à un hélicoptère qui a vraiment quadrillé tout le secteur. Mais ce n'est que trois mois plus tard que des promeneurs vont faire une macabre découverte. Ils retrouvent le corps sans vie de Dominique. Et cela ne fait aucun doute. Elle a été assassinée. Les experts ont précisé que la mort a été extrêmement violente, que la tête de Dominique avait été fracassée. Cette mort ne peut pas être la conséquence directe de coups portés à main nue. À Saint-Quentin, un promeneur fait une découverte glaçante près de la gare. Le corps d'un homme gît au sol dans un état sordide. Les enquêteurs ont pu dire qu'en fait c'était un amas de chair, le visage, qu'on distinguait plus les yeux, plus le nez. Cet homme est rapidement identifié. Il s'agit de Bernard, un retraité de 62 ans. Qui mène une vie très paisible. Les enquêteurs privilégient alors la piste d'un crime crapuleux. Un mois environ après l'agression, à la fin du mois d'août, la banque alerte les proches de Bernard pour dire que son compte en banque a été complètement vidé, qu'il est même négatif. Et pour commencer, nous allons à Villequier-Aumont. C'est un petit village de 650 habitants. C'est ici qu'a posé ses valises en 2005 Fanny, 41 ans. Elle vient tout d'abord pour s'occuper de sa mère malade, puis finalement, elle reste vivre dans la maison familiale. Décrite par ses proches comme quelqu'un de très gentil, elle a le cœur sur la main et n'hésite pas à ouvrir sa porte aux gens dans le besoin. C'est ainsi qu'elle accueille en mars 2017 Morgane, un père célibataire qui vient d'être expulsé de son logement avec sa fille de 6 ans. Mais deux mois plus tard, le dimanche 7 mai, la bourgade va être frappée par un terrible drame. Ce fameux dimanche, donc j'habite au-dessus d'une barre à Villequier. C'est l'élection présidentielle. Donc j'entends les cloches sonner vers, je crois, vers 18h, oui, à peu près. Et je me dis, voilà, c'est les cloches qui sonnent pour l'élection, donc je descends.
Je descends au bar et j'en informe le propriétaire William, et qui me regarde dans les yeux et qui me dit non, ça sonne parce qu'il y a un décès dans le village et je viens d'apprendre que Fanny a été retrouvée décédée. Donc je décide de prendre ma voiture et je dis je vais chez Fanny. Et arrivé chez Fanny, et là je vois des gendarmes qui gardent la maison, et il y a aussi l'identification criminelle, et il y a Morgane avec sa petite fille. Il est présent, il se présente comme le concubin de Fanny. Il est hébergé chez elle depuis quelques mois seulement. Il dit voilà, qu'il était parti à la pêche avec sa fille, que quand il est rentré à 16h-16h30. Il a retrouvé Fanny décédée dans la maison. Voilà. Donc là, c'était le choc. Âgée de 41 ans, Fanny a pour seule famille un demi-frère et une demi-sœur vivant à 400 km de chez elle. C'était une jeune femme qui avait vécu à Paris ses premières années de vie. Ses parents étaient commerçants, tenaient une épicerie. C'était des gens qui avaient une certaine aisance financière. Elle n'a jamais manqué de rien. Et elle va rester à Paris lorsque ses parents vont prendre leur retraite et vont venir s'installer dans cette maison à Villequier-Aumont. Son père va prédécéder et elle viendra rejoindre sa mère à Villequier-Aumont. Elle se dévouera d'ailleurs pour sa mère, qu'elle accompagnera jusqu'à la mort de celle-ci. Mort qui va véritablement l'ébranler. Quand elle est arrivée après sur Villequier pour s'occuper de sa maman, elle a revendu pas mal de biens sur Paris, et donc elle ne travaillait pas, hein, donc elle vivait de ça. Fanny, je l'ai connue à Villequier-Aumont, au bar. Je venais boire mon café et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et donc on est devenus amis. Elle est décrite comme étant quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement ouvert aux autres, d'extrêmement agréable, mais également de cultivé, d'intelligente. C'est quelqu'un qui était apprécié de tout le monde. Quelqu'un également qui était toujours dans l'humanitaire et le social. Elle avait toujours besoin de venir en aide aux autres. Le bon apôtre. Au début de l'année 2017, Fanny va notamment venir en aide à Morgane, une vague connaissance. Morgane a passé son enfance à Villequier. Donc il connaissait déjà Fanny, il connaissait bien la maman de Fanny. Et en mars 2017, Morgane sait qu'il va être expulsé de son logement sur Ternier. Donc il va se retrouver à la rue. Il ne veut pas se retrouver dans un foyer avec sa fille. Et elle va le rencontrer au café du village. Elle voit un homme qui est un jeune homme en déperdition, je dirais, et surtout qui a un enfant avec lui, qui a 6 ans, une petite fille mignonne. Et naturellement, Fanny ne peut pas laisser à la rue un jeune homme comme celui-ci. Elle ne peut pas laisser à la rue une petite fille de 6 ans. Et elle va accueillir chez elle, la porte est grande ouverte, elle va accueillir chez elle Morgane et surtout la petite fille de Morgane. Et Fanny est tombée sous le charme de la petite. Elle faisait sonner le réveil le matin pour l'emmener à l'école. Elle s'occupait d'elle, elle lui apprenait à faire la cuisine. Voilà, elle était comme une maman avec sa fille en fin de compte. Fanny profite de la vie aux côtés d'Éléonore jusqu'à ce funeste jour de printemps.
Ce 7 mai 2017, les gendarmes de Chauny procèdent aux premières constatations. Vêtue d'un pyjama, Fanny gît dans sa chambre. Elle est sur le côté droit du lit, la face contre le matelas, la tête est sur l'oreiller. Elle est en position relativement normale pour quelqu'un qui dort. Il n'y a pas véritablement d'hématome. Elle a une main quand même qui a une certaine position, comme si elle tenait une pomme, ont dit certains enquêteurs. Il n'y a pas de vitre brisée, il n'y a pas de... Personne n'a cassé la porte. Le domicile, il est un petit peu en désordre, parce que c'était quand même des gens qui avaient une vie un peu désordonnée, qu'on le veuille ou non. Mais il n'y avait pas de traces de lutte, de désordre pouvant laisser supposer une altercation. Rien n'a disparu. C'est-à-dire que très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu une intrusion extérieure. Que même si la fenêtre était entrouverte, on voyait bien que la maison n'avait pas été fouillée, qu'on n'était pas sur le terrain d'un crime d'un rôdeur, on n'était pas du tout sur ce terrain-là. La cause de la mort n'est pas claire. Le médecin essaie de dater l'heure de la mort, très difficile. Et à ce stade-là, on pense qu'il y a eu peut-être l'intervention de, je sais pas, d'un tiers. Et Morgan va être le premier suspect. Ce qui, logiquement, se conçoit, puisque tout de suite, constater qu'il habitait là depuis un moment avec sa fille Éléonore. D'autant que son comportement dans la maison de Fanny intrigue les gendarmes présents. D'abord, il apparaît extrêmement stressé. Il veut absolument s'imposer, par exemple, dans la chambre, lorsque le médecin procède à ses examens. Et puis, il va tenir des propos étranges en disant « c'est pas moi qui l'ai tué ». Dès le lendemain, les gendarmes de Chauny entendent Morgane comme témoin. Cet homme, qui se présente comme le compagnon de la victime, précise son emploi du temps. Il va révéler que, outre le fait d'être hébergé par elle en tant qu'ami, ils ont fini par avoir une relation plus intime. Le samedi soir, ils sont ensemble au domicile. Il y a d'ailleurs un ami, Bernard, qui est présent, une partie de la soirée, qui quitte les lieux relativement rapidement. Fanny s'est couchée en premier, et Morgane est allée se coucher après, ils avaient beaucoup bu. Morgane raconte qu'il est parti le dimanche à 7h du matin, à la pêche, avec sa fille. Il laisse un petit mot sur la table à Fanny, en disant « nous sommes partis à la pêche », parce que Fanny dort, voilà, dort, il ne veut pas la réveiller. Il revient sur le coup de midi, il raconte qu'il va voir Fanny dans sa chambre, qu'elle dort toujours, qu'il la laisse dormir, et qu'il reparte à la pêche. Et il revient sur le coup de 16h. Là, il retourne dans la chambre de Fanny, il secoue Fanny, et il la découvre qu'elle est décédée. Le père de famille serait même en mesure de prouver son alibi. Il fait état d'une carte de pêche qui attesterait le fait qu'il a participé à une partie de pêche. 5 jours plus tard, le 12 mai, le rapport du médecin légiste arrive entre les mains des gendarmes de Chauny. Il y a des légers hématomes, mais qui ne...
qui n'indique en rien qu'il y a eu lutte. Au contraire, l'autopsie qui est pratiquée parle d'absence de traces de lutte et de défense, parle d'édème pulmonaire et d'origine cardiaque. Donc il y a des petites traces, mais elle n'indique en aucune façon qu'il y ait une lutte ou un geste de défense. On a une dame qui est dans son lit et qui est décédée. Malgré la présence d'hématomes, rien n'indique que la quadragénaire ait été victime d'un meurtre. Les investigations prennent fin et le 23 mai, les proches de Fanny se retrouvent pour ses obsèques. C'était une femme connue, hein, et il y aura du monde à son enterrement. On a même dit qu'il y avait du beau monde. Morgane se place derrière le convoi avec la petite. Le convoi rentre dans le cimetière, il se place juste derrière, moi avec la famille après, les amis, et autour de la tombe, il y a un petit peu de musique et Morgane pleure énormément. Et ce qui a choqué tout le monde, mais véritablement choqué, hein, les habitants, c'est de voir que juste derrière le cercueil, hein, avant la famille, Morgane s'était imposé, il était là avec sa petite fille. La sœur et le frère de Fanny sont des gens qui, comme Fanny, sont très généreux. Très généreux, et lorsqu'ils sont arrivés à Villequier-Aumont, ils voient cet homme éploré, il est avec sa petite fille. Alors, la sœur et le frère lui disent, mais vous allez naturellement pouvoir rester dans la maison. Il n'y a aucun problème. Prenez votre temps, vous relogerez ultérieurement, mais dans l'immédiat, on comprend votre peine, vous allez rester dans la maison. Morgane devra simplement s'occuper des deux chiens de la victime. Les jours et les semaines passent, et le voisinage de Fanny va assister à un étrange spectacle à son domicile. Il y a des voisins qui ont vu des choses, qui ont vu des petits camions la nuit venir retirer des choses, qui me disent, écoute, Morgane, il est en train de monter sur une échelle et d'enlever toutes les gouttières. Donc je vais chez Fanny et je vois que les gouttières ont disparu. Donc j'appelle la famille, on a essayé de le faire partir de la maison, la famille a essayé. Elle a prévenu les services déjà sociaux pour la petite, mais rien n'a été fait, quoi, rien n'a bougé. Fanny avait accepté ce garçon chez lui du temps de son vivant, donc on ne pouvait pas le mettre dehors comme on voulait. Ça, au niveau de la loi, voilà, c'était pas, enfin, c'est ce que les gendarmes de Chauvigny nous ont dit. Les proches de la victime devront attendre le mois d'août avant de voir Morgane quitter les lieux de son plein gré. Je rentre dans la maison et là, il y a plus rien, il n'y a plus de radiateur, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus... La chaudière a disparu, je vais dans le garage, la chaudière a disparu, la chambre de Fanny, tout a disparu en fin de compte. Et plus de traces de chien, voilà. Donc moi je fais le tour du village, voilà, des champs, là où ils avaient l'habitude d'aller. Je ne trouve pas de chien. Donc je descends chez Fanny, pour aller voir quand même si les chiens ne reviennent pas. Et en cours de route, donc, je tombe sur un ami, Ludovic, et je lui demande de m'accompagner. Et il m'accompagne chez Fanny, voilà. En passant près du garage, je sens une odeur quand même, voilà, une odeur un peu de rat mort, entre guillemets. Voilà, vraiment. Et Ludovic me dit, bah, regarde, il y avait une dalle ronde, un ancien puits. Ludovic me dit, la dalle a bougé. Et il a soulevé la dalle du puits, grosse dalle, épaisse en ciment. Il me dit, tu vas regarder dedans. Bon, je soulève, parce qu'on ne pouvait pas la soulever complètement. Et là, l'horreur pour moi, je découvre... Véronique découvre les chiens de Fanny, morts. Un vétérinaire procède à l'autopsie des chiens. Ils auraient été jetés vivants dans l'eau. Là, à ce moment-là, j'ai compris qu'il les avait tués. Et je me suis dit, s'il a été capable de ça, il a été capable de le faire pareil pour Fanny, quoi.
Convaincu que Morgane a joué un rôle dans le décès de son ami, Véronique décide de médiatiser l'affaire. Et l'opération est payante. Car très vite, la brigade de recherche de Laon reprend l'enquête et demande de nouvelles expertises médico-légales. On sait que elle est décédée d'une asphyxie, d'une obstruction des voies respiratoires aériennes. On sait également que si elle était porteur d'un taux d'alcoolémie qui était relativement faible, hein, 0,33 g, il n'y avait pas de traces de stupéfiants. On sait que rien ne pouvait expliquer cette obstruction des voies respiratoires, qui donc ne pouvait venir que d'une cause extérieure. Fanny a donc bien été victime d'un meurtre. Les résultats des expertises ADN réalisées sur la scène de crime vont également être riches en informations. Sur le lit de Fanny, il y avait le double ADN, l'ADN de Fanny bien sûr, sur la couette et la tête d'oreiller, mais également l'ADN de Morgane. Dès lors, les gendarmes se concentrent sur Morgane, la dernière personne à avoir vu la victime. Elle a eu une enfance malheureuse, voilà. Au point où il dit même que pour lui, la vie était pourrie. C'est un garçon, bon, évidemment, comme il le dit, qui ne sait ni lire ni écrire, donc avec un niveau d'études très modeste. Et puis, il a vécu longtemps dans les rues. Voilà. Ce qui fait que son éducation ne résulte que de la rue. C'est pire que Victor Hugo, Les Misérables. Hein. Avec ce qu'on appelle une structure abandonnique par rapport à son père, géniteur, qu'il ne connaît pas. Et puis, un père de substitution, ou un beau-père en quelque sorte, qui décrit comme extrêmement violent envers lui-même, envers sa mère, et également alcoolique. À 27 ans, le jeune homme devient papa et obtient la garde de la petite Éléonore. Sans emploi, Morgane s'enferme alors dans une spirale délictueuse. Il a 16 ou 17 mentions à son casier judiciaire, ce qui est quand même pas anodin, pour des faits principalement de vol. En quête d'éléments de preuve, les gendarmes placent Morgane sur écoute. Ils vont alors surprendre une discussion intrigante entre l'homme de 35 ans et Bernard, l'ami qui était présent chez Fanny la veille de la mort. Alors, on va avoir des écoutes téléphoniques entre Morgane et son ami. Cet homme qui est finalement très proche, qui était proche des deux, hein, qui avait connu Fanny sans doute plus avant, et qui entretenait une relation d'amitié avec Morgane. Et leur conversation est suspecte. Il semble que Bernard paraissait savoir des choses sur la mort de Fanny. Le 19 septembre 2018, Bernard est placé en garde à vue à la brigade de recherche de Laon. D'emblée, le quinquagénaire accable son ami. Il vient dire quand même que Morgane lui a fait part d'un certain nombre d'interrogations. Est-ce que je ne suis pas pour quelque chose dans cette mort ? Tandis que Bernard ressort libre de sa garde à vue, les gendarmes mettent la main sur un nouvel élément à charge contre le suspect. L'expertise du téléphone portable de Fanny révèle que deux jours avant sa mort, la victime accusait Morgane de lui avoir volé de l'argent. Elle est véritablement fâchée et déterminée. Hein, disant que lundi tu pars, ça suffit, je veux plus quelqu'un qui chez moi qui me vole, qui me ment, etc.
Et remettre à la rue une gamine de 6 ans, on imagine à quel point c'était insupportable pour Fanny de prendre cette décision qu'elle a prise. Elle veut qu'il parte, car elle s'estime trompée. Il va se retrouver dans la rue, il faut qu'il trouve une solution. Et les faits, la mort de Fanny intervient quelques temps après, assez rapidement. Incarcéré depuis le mois d'août pour usage de stupéfiants, Morgan est extrait de sa cellule, puis placé en garde à vue, 16 mois après le drame. Le trentenaire maintient ses déclarations, des déclarations données au lendemain du meurtre. Pourtant, des témoins indiquent qu'ils ne l'ont pas vu pêcher le 7 mai 2017. Cet alibi, il l'avait construit. Ah, il l'avait construit puisque acheter une carte ou du moins un abonnement de pêche le jour de la mort de Fanny, tout ça c'était pour démontrer qu'il n'était pas sur place, qu'il était ailleurs. Poussé dans ses retranchements, Morgan finit par craquer. C'était des aveux qui étaient en quelque sorte des demi-aveux. Enfin, c'était un petit peu compliqué puisque il disait pas « j'ai fait ». Telle chose, mais il disait je me vois dans un flash, je me vois mettre le coussin sur la bouche de Fanny, lui donner des coups de poing alors que j'étais à califourchon en quelque sorte sur elle. Là où ces propos sont marquants, c'est qu'on relate quand même la mort de quelqu'un avec une certaine précision puisqu'on indique la posture, le geste. Il raconte la mort d'une façon plausible. C'est dans la presse que Véronique apprend la version de Morgan. Et là, je m'écroule. J'avais du mal à y croire, tout en voilà, j'étais le fait qu'elle soit partie assassinée, étouffée. Là, c'était, c'était très dur. Ouais. Pourquoi il aurait fait ça? C'est pour moi, c'est relativement clair. Il vivait au crochet de Fanny la sangsue allait perdre sa proie. En réalité, tout s'effondrait pour lui. Il allait partir, il allait se retrouver à la rue. Les nuits sont froides, la vie est rude, il a un enfant. Et il faut qu'il reste dans ce logement, et à coûte que coûte. Manifestement, Fanny est morte de sa générosité et de son ouverture aux autres. Il est venu soutenir que Fanny aurait rédigé un courrier, une sorte de dernière volonté, quoi, au terme duquel elle aurait exprimer l'intention de léguer tous ses biens à la fille de Morgan. Ça, c'est totalement démenti. D'abord, aucune lettre n'a jamais été retrouvée. Et d'autre part, si elle avait voulu établir ses dernières volontés, elle l'aurait fait dans un cadre authentique devant un notaire. Et je pense que le fait qu'il soit persuadé de pouvoir hériter quelque part des biens de Fanny a participé à la mort de Fanny. Le 21 septembre 2018, Morgan est mise en examen pour le meurtre de Fanny. Mais peu de temps après, il revient finalement sur ses aveux et déclare qu'il s'agissait du fruit de son imagination. L'ambiance du procès est assez sereine. La famille de la victime est très digne. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'injures, il n'y a pas d'attroupement. La famille est peu représentée numériquement. Les parents sont décédés. Il y a un frère et une sœur qui sont là. Ils écoutent les débats.
Ils sont en retrait, ils ne manifestent pas de colère. Et ils sont venus à ce procès avec l'intention de savoir la vérité. Pour eux, c'était important de savoir comment était morte Fanny. Dès le premier jour du procès, Morgane va changer de ligne de défense et avouer les faits. Devant la cour d'assises, il raconte les derniers instants de Fanny. Je suis arrivée dans la chambre, elle dormait. Je me suis mis un califourchon sur elle. J'ai pris l'oreiller à côté, je l'ai mis sur sa tête. J'ai étouffé, j'ai tenu il ne sait pas combien de temps. Et il dit à la bougie, je lui ai mis des coups de poing. Et à un moment donné, donc il reste longtemps comme ça, et après il dit, j'ai soulevé l'oreiller. Et j'ai replacé l'oreiller à côté d'elle. Morgane explique son geste. Il n'a pas supporté. Il s'est senti vexé, il s'est senti humilié. Et le fait qu'il parte, voilà, il n'a pas supporté. Il a été pris dans une espèce de fureur pathologique, évidemment, liée, alors alimentée par l'alcool, mais également alimentée par, j'allais dire, tout ce contexte de vie, de parcours de vie. Entendu à la barre, l'expert psychologue va quant à lui rappeler le caractère machiavélique de l'accusé. Je parlerai de l'équivalent d'un syndrome de Jonathan Daval, si vous voulez. Une personne qui lui était chère est décédée, donc il va à ses obsèques, il pleure, etc. Manifestement, il a un comportement adapté. Donc on ne peut pas exclure chez lui, malgré en quelque sorte son faible niveau intellectuel, quelques traits de manipulation, voire de perversité quand même. Il était condamné à 17 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire. Le parquet avait réclamé, je crois, une peine de 20 ans d'emprisonnement. 17 ans pour une vie, c'est peu. C'est peu. On avait demandé, on aurait préféré plus, mais de toute façon, ça ne nous aurait pas rendu Fanny. Depuis le drame, Éléonore, la fille de Morgane, vit avec sa mère et ne veut plus voir son père. Quant à Véronique, qui s'était mobilisée depuis le début pour connaître la vérité, elle peut enfin commencer son deuil. Je pense que j'ai bien fait d'avancer et puis d'aller jusqu'au bout pour elle. Elle le méritait. Ouais. De toute façon, je pense qu'elle serait là. Elle aurait fait la même chose pour moi, de toute façon, et pour qui que ce soit. Donc, il y a quelques objets dans ma maison qui lui appartiennent, que j'ai gardés. Et puis, de toute façon, Fanny restera toujours. Voilà, elle fait partie de ma vie. De retour sur le plateau de crime qui ce soir est donc installé dans le département de l'Aisne. À Malzy, une modeste commune de 200 habitants située à 35 km de Saint-Quentin, Dominique et Guy semblent heureux. Mariés depuis plus de 30 ans, ils sont parents de deux grands-enfants. Dominique est une acharnée de travail, secrétaire en mairie le jour, elle s'occupe en plus de personnes âgées. Mais le 13 décembre, la vie du couple va basculer. Guy se présente à la gendarmerie de Guise et il indique aux gendarmes que sa femme ne donne plus signe de vie depuis près de 24 heures. Nous sommes déjà au printemps. Il y a donc deux promeneurs qui longent la pâture à la recherche des pissenlits. C'est la belle saison. Sont tout de suite alertés par quelque chose qu'ils aperçoivent dans un sorte de trou, un creux, dans une prairie. Alors au début, l'un des deux promeneurs pense qu'il s'agit d'un siège auto et en s'approchant, ils se rendent compte que c'est un corps qui gît au pied d'un arbre. Le cadavre est en position fœtale, avec le pantalon qui est baissé
poussé jusqu'à mi-cuisse. L'un des deux promeneurs, il reconnaît un vêtement de Dominique et donc il est persuadé qu'il s'agit de Dominique qui a disparu. Les deux promeneurs rebroussent chemin jusqu'au domicile d'un des deux parce qu'ils n'ont pas de portable avec eux. Et c'est là qu'ils appellent les pompiers. Les pompiers vont arriver sur place et dire tout de suite qu'il n'est pas possible de faire quelque chose et les gendarmes arrivent dans la foulée. On a retrouvé donc autour du corps de la victime un certain nombre de boîtes de médicaments, deux types d'antidépresseurs. Hein. D'abord des antidépresseurs qui ont été retrouvés autour du corps et puis un autre type d'antidépresseurs retrouvé caché dans l'une des chaussettes de la victime, hein, mais également un mouchoir. Âgé de 49 ans, Dominique est né dans le village de Proisy et n'a jamais quitté la région. Après une scolarité sans encombre, elle devient rapidement secrétaire. Dominique, c'est une femme assez petite, une brune qui se cachait pas mal derrière ses lunettes à grosse monture. Elle est décrite par son entourage comme une femme gentille, une dame courageuse, un peu effacée. Elle cumule deux travaux, à la fois un travail dans la mairie de son village. Puis également, elle s'occupe dans le cadre d'une assistance donc de personnes âgées, d'une personne qui est gravement malade. Et donc, elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup parce qu'elle a un mari donc extrêmement dépensier, elle a un mari particulièrement oisif, pour ne pas dire feignant. C'est en 1977 qu'elle rencontre Guy. Alors, entre eux, ça va aller très vite. Elle va tomber enceinte, elle met au monde une petite fille, et puis une deuxième va arriver très rapidement. Seul salaire du foyer, Dominique doit payer les études universitaires de sa fille et combler les nombreuses dépenses de son mari. Et donc, elle est obligée de contracter un certain nombre d'emprunts, au départ pour faire vivre la famille et ensuite pour combler les crédits qui sont faits en cours et les intérêts. C'est-à-dire que c'est une espèce de cavalerie où elle fait des emprunts pour rembourser les emprunts. On va découvrir qu'elle avait contracté 7 crédits à la consommation, 4 crédits revolving, en plus du crédit immobilier. Donc, ça faisait quand même pour un coût total de remboursement mensuel de 1 800 €, pour un revenu de 1 400 €. Donc on peut dire que c'est un ménage très endetté. Ils ont des saisies, des courriers qui arrivent tous les jours. Donc ça peut contribuer aussi à sa dépression, quoi, de ne jamais voir le bout du tunnel. Le couple n'arrive pas à joindre les deux bouts, se sentant acculé par les organismes financiers. Et elle lui aurait même dit qu'elle pensait qu'ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir. Le 13 décembre, Guy se rend à la gendarmerie de Guise, à 9 km du domicile familial. L'homme de 54 ans veut signaler la disparition de sa femme, dont il n'a plus de nouvelles depuis la veille. Il assure qu'il a déposé Dominique devant le portail de la maison de leur fille. Lui, il avait une course à faire, il avait rendez-vous au domicile d'une connaissance pour aller récupérer une télévision. À son retour, une demi-heure plus tard, sa fille est surprise de le voir tout seul. Elle explique que Dominique n'a jamais frappé à sa porte. Il semble que Dominique s'est véritablement évaporé dans la nature. Les premières recherches débutent immédiatement. Guy part faire un tour dans toute la campagne en voiture. Et puis les recherches vont se poursuivre jusque très tard dans la nuit. Cette fois en compagnie de son frère, il va faire vraiment un repérage à pied dans les prairies aux environs du domicile de sa fille. Il se disait qu'il ne fallait pas la laisser trop longtemps dehors parce qu'il faisait extrêmement froid.
En 2008, je pense qu'on a eu des températures très 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 basses. On était parfois à moins 12. À la gendarmerie, Guy explique que sa femme est en arrêt maladie depuis plusieurs mois parce qu'elle souffre de dépression profonde. Il explique que ce n'est pas la première fois que sa femme disparaît comme ça sans donner de nouvelles. Elle a déjà fugué 2-3 fois dans l'année. Les 6 mois précédents, elle a toujours été retrouvée. Mais là, elle n'a pas de nouvelles, donc on craint un mauvais geste. D'importants moyens vont être déployés pour essayer de retrouver rapidement Dominique le jour même et les jours qui ont suivi. De battues ont été organisées. Les gendarmes ont aussi fait appel à un hélicoptère qui a vraiment quadrillé tout le secteur. Ils vont prendre un chien, effectivement, qu'ils vont placer devant le domicile de la fille, là où Guy dit avoir déposé son épouse, et le chien va s'arrêter. Il ne va pas aller ni dans le domicile, ni aller dans les pâtures dont le chien marque devant le domicile. Et alors les gendarmes commencent donc une enquête de voisinage. On se rend chez les voisins demander s'ils n'auraient pas vu Dominique. Eh bien personne, aucun voisin n'a vu Dominique. En parallèle, Guy s'organise de son côté. Il va rameuter donc les voisins, des amis, des proches, et il va chercher. Il placarde des affiches un peu partout dans le secteur, mais même jusqu'à Amiens, qui est quand même distant de près de 100 km. Guy vient nous contacter pour qu'on lance un appel à témoins. Et voilà, il participe vraiment de A à Z, il est au centre quasiment des recherches. Les jours et les semaines passent, sans aucune avancée majeure. Et cela jusqu'au 17 mars 2009, soit 3 mois après la disparition de la secrétaire. Ce jour-là, le corps de Dominique est retrouvé par des promeneurs. Tout de suite, les enquêteurs pensent à une scène de crime maquillée. Pourquoi ? Parce que l'endroit où le corps de Dominique a été retrouvé, c'est un endroit qui avait été ratissé minutieusement lors de la disparition de Dominique 3 mois auparavant, au cours des nombreuses battues qui ont été organisées. L'autopsie révèle que la mort n'est pas accidentelle. La mort est due effectivement à de nombreux coups qui ont été portés à la face, de manière volontaire, avec un objet contondant. Les experts vont nous préciser que la mort a été extrêmement violente, que la tête de Dominique avait été fracassée. On avait retrouvé 4 fractures au niveau de la mandibule, une partie du crâne avait été enfoncée, mais également donc le nez cassé. Les experts viennent nous dire que cette mort ne peut pas être la conséquence directe de coups portés à main nue. Elle était forcément la conséquence de coups portés avec un objet contondant. Et que la mort était intervenue 10 à 12 heures plus tard. Le médecin légiste note dans son rapport que le décès remonte à plusieurs semaines. Et surtout, il révèle que le corps de la victime présente des traces de momification. Le corps est resté dans un endroit sec pendant plusieurs semaines. Donc impossible que le corps ait pu reposer là, dans la prairie, pendant de longs jours. L'autopsie a montré aussi que Dominique n'a pas ingurgité les comprimés des boîtes de médicaments qu'on a retrouvés autour d'elle. C'est un élément qui laisse aussi à penser aux enquêteurs que c'est sans nul doute une scène de crime maquillée.
Fanny se dit totalement éprouvée, anéantie par la mort de sa femme. C'est un homme qui est inconsolable. Voilà. Et je pense que ça ressort de la procédure, ses enfants l'ont dit, que c'était un homme complètement malheureux. Si Guy semble sincère, les résultats des prélèvements ADN effectués sur le corps de Dominique vont semer le trouble dans l'esprit des enquêteurs. Les experts vont retrouver effectivement du sperme, alors à la fois au niveau vaginal et au niveau anal, mais également sur un mouchoir que l'on a retrouvé dans la poche du pantalon de cette femme. Les analyses montrent aussi la présence d'un seul ADN sur la découverte du corps, celui de son mari Guy. L'ADN, on va le retrouver à la fois sur une des boîtes de médicaments, mais aussi sur le corps même de Dominique. Et à part cet ADN-là, aucun autre ADN n'a été détecté. Avant d'auditionner Guy, les enquêteurs décident de s'intéresser à son profil. C'est un homme qui est un petit peu plus âgé que Dominique, qui est dans une fratrie de 13 frères et sœurs, voilà, quelqu'un du coin, qui a peu bossé dans sa vie, qui a été longtemps au chômage, qui travaillait un petit peu comme employé communal dans les villages alentours. Mais là, ça fait une dizaine d'années qu'il n'a pas de boulot. L'enquête de gendarmerie a montré que Dominique est une femme qui est vraiment une femme apeurée, qui a peur des réactions soudaines de violence de son mari, une femme qui semble vivre dans la terreur. C'est vraiment l'expression qui ressort. Il épie les moindres mouvements, il écoute tout ce qui peut se dire sur elle, et il imagine qu'elle entretient des relations extra-conjugales avec plein d'hommes. Dès qu'un homme la regarde, pour lui, ça signifie que c'est un de ses amants. Et puis parallèlement à ça, il y a un certain nombre de personnes donc dans le village, notamment une infirmière qui avait été amenée quelques mois auparavant à soigner cette femme pour des brûlures extrêmement importantes. Il s'avère que lors d'une scène de ménage, pour une raison complètement futile, eh bien cet homme aurait brûlé avec une casserole remplie d'eau bouillante où des pommes de terre étaient en train de cuire, aurait brûlé sa femme. Elle aurait été brûlée donc au troisième degré et il est prétexté effectivement que c'était un accident et que c'était certainement un jour de beuverie. Au cours de leurs auditions, les enquêteurs apprennent également que les fugues de Dominique seraient avant tout des appels à l'aide. 3 mois seulement avant son meurtre, elle avait d'ailleurs trouvé refuge chez l'une de ses filles à Amiens. Au cours de ce séjour d'une semaine, elle va écrire une lettre et dans cette lettre, elle va expliquer être victime de violences conjugales, elle va expliquer avoir vraiment très peur de son mari. J'ai bien réfléchi, je ne rentre plus. Et elle termine en disant: je pense que je vais rentrer à Poisy, caché, chez un proche, car il ferait bien un carnage quand il saura que je suis rentré. Voilà. C'est assez évocateur de la situation très particulière donc, de cette femme, qui décrit effectivement les violences dans lesquelles elle se trouve, et qui vient nous dire ça va mal se terminer cette histoire, et elle parle de carnage. Au cours de l'enquête, la sœur de Dominique est interrogée par les gendarmes et elle va faire une révélation. Elle va leur expliquer qu'elle a été abusée sexuellement par Guy alors qu'elle était âgée de 14-15 ans. Et un enfant aurait pu naître puisqu'elle est tombée enceinte donc, des œuvres de cet homme et qu'il l'a emmenée entre guillemets, de force là où il fallait pour qu'une interruption volontaire de grossesse soit pratiquée. Et même s'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle, les enquêteurs sont de plus en plus persuadés que Guy est impliqué dans le meurtre de sa femme.
D'abord, il fait preuve d'excès de zèle durant toute l'enquête, ce qui a le don un petit peu d'attirer l'attention des gendarmes. Et puis parce que juste après qu'il ait déclaré la disparition de sa femme, le lendemain, il va voir leur médecin traitant et demande la prolongation de l'arrêt maladie de sa femme. Et juste avant la découverte du corps, il va retirer des sommes d'argent assez conséquentes de leur compte commun. Le 22 avril, les gendarmes interpellent et perquisitionnent la maison de Guy et de Dominique à Malzy. Lors de ces fouilles, ils vont utiliser du luminol, ce révélateur d'hémoglobine. Donc on va essayer de regarder s'il n'y a pas des traces de sang. Donc il n'y a rien de tout ça. On va essayer de regarder dans les brouettes, dans les voitures, s'il n'y a pas de traces de sang. Donc il n'y en a aucune. Et les gendarmes se dirigent dans la cuisine. Et là, ils trouvent un point américain. Ils le posent sur le plan de travail et puis continuent de fouiller. Il a comme un geste de culpabilité quelque part. Il va cacher dans la poubelle le point américain. Les gendarmes le repèrent tout de suite son manège, ils vont prendre le point américain. Et effectivement, tout de suite, il n'aurait pas fait ça. Peut-être que voilà, la perquisition serait passée normalement, mais là, tout de suite, forcément, ça intrigue. Il expliquera aux enquêteurs que s'il a voulu cacher ce point américain, c'est qu'il ne voulait pas passer pour un bagarreur. Et il précise aux enquêteurs que de toute façon, ce point américain, il n'arrivait pas à entrer sa main dedans, qu'il était trop petit pour lui. Aucun examen ADN et de sang n'a permis effectivement de déterminer que cette arme avait été utilisée le jour du crime, puisque l'ADN, notamment l'ADN de contact, était très volatile, mais en moins, l'expert va nous dire que cette arme pouvait être tout à fait, vraisemblablement, à l'origine des coups qui avaient été portés, sans qu'on puisse bien évidemment en apporter la preuve technique. Au cours de sa garde à vue, Guy va nier en bloc avoir tué Dominique. Il va nier aussi en bloc tout fait de violence. Lui, il explique que si Dominique a à plusieurs reprises assuré avoir été victime de violences conjugales, ben, en fait, c'est un mensonge. Et ce mensonge, en fait, c'est parce qu'elle est dépressive. Confronté aux éléments du dossier, et notamment aux résultats ADN, le père de famille reste sur sa position. Il dit qu'ils sont des époux, ils ont toujours une vie commune, ils consomment le mariage, donc par le fait d'avoir des relations sexuelles et que c'est tout à fait normal, que si on retrouve son ADN dans les parties vaginales ou anales de son épouse, c'est tout à fait normal, c'est son épouse, voilà. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus par les explications. Et ont le sentiment que l'homme de 56 ans ne leur dit pas toute la vérité. À partir des auditions et des différentes expertises réalisées, ils échafaudent un scénario criminel. Peut-être qu'effectivement, il l'a sollicité pour rapport sexuel et que Dominique n'a pas voulu. Et que là, comme il est autoritaire et que c'est lui qui impose, il a voulu lui imposer son rapport sexuel, qu'il a dû la frapper et qu'elle est morte dans ces conditions. Guy aurait ensuite entreposé le cadavre dans un endroit sec pendant plusieurs semaines, avant de le déplacer en bordure du chemin de campagne et de disperser des médicaments. Il n'y a pas de preuves formelles, il n'y a pas d'aveu. Mais pour la justice, il y a un faisceau d'indices qui prouverait la culpabilité de Guy. Ces faisceaux d'indices sont assez simples. D'abord, son attitude durant toute l'enquête, le fait qu'il ait eu un peu excès de zèle. Sa personnalité de mari violent, jaloux, possessif. Son attitude au cours des perquisitions, le fait qu'il ait essayé de cacher ce point américain. Le 23 avril 2010, le mari de la victime est mis en examen pour meurtre aggravé.
cinq ans après les faits, le procès de Guy s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aisne. L'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une ambiance très lourde. Très lourde parce que peut-être que un certain nombre de personnes se faisaient des reproches. Les proches ou les gens qui entouraient cette femme étaient conscients de ce qui lui arrivait. Et peut-être que sans jamais que ce ne se soit dit, un certain nombre de personnes présentes se faisaient le reproche de n'avoir rien fait et de n'avoir rien dit. On reconnaît quand même qu'il n'est pas un saint, mais en même temps, il dit non, je n'ai pas tué ma femme. Voilà, il continue à dire je ne l'ai pas tué, même si je ne suis pas un enfant de cœur, je n'ai pas été jusque-là. Voilà. Il a un comportement que les parents de Dominique ont estimé déplorable, c'est qu'il a développé la thèse de la théorie du complot. C'est les voisins qui en voulaient, c'est l'institution judiciaire qui lui en voulait, c'était les experts ADN qui lui en voulaient, c'était le magistrat instructeur qui voulait. Donc il a dans la capacité de se dire, voilà, j'ai commis donc l'irréparable et donc je demande pardon. À la barre, les témoignages accablants se succèdent. Tous les proches de Dominique racontent que la secrétaire de la mairie vivait dans la terreur à cause de son mari. Mais sans aveu, ni témoin direct, des zones d'ombre subsistent. Puisque le corps n'a pas été déposé de suite là où il a été retrouvé, pendant une période de plusieurs mois, il a été, entre guillemets, stocké à un endroit sec et aéré, comme l'ont dit les experts. Malheureusement, les investigations n'ont pas permis, et peut-être qu'effectivement, il a été déposé dans un grenier, dans une grange, on est incapable de le dire. Je ne sais pas non plus avec précision quelle est l'arme qui a servi à donner la mort. Les analyses qui ont été effectuées sur le poing américain n'ont pas permis d'affirmer que ça pouvait être cette arme qui a concouru au décès de Dominique. Dans ce dossier, il n'y a pas de preuves tangibles. Je plaide l'acquittement pour défaut de preuves. Il n'y a pas de mobile de ce crime, de ce meurtre-là, parce que ni pour l'argent, ni pour, ça faisait plus de 25 ans qu'ils étaient mariés, là, si c'était que la jalousie, je ne crois pas. Voilà, donc non, il n'y a pas de mobile. Malgré les arguments de la défense, les jurés vont délibérer, seulement 2 heures. Et le 27 novembre 2014, l'homme est finalement condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse. Quand il apprend qu'il est condamné à 25 ans de 25 ans de prison, sa réaction, c'est de boire un verre et il ne semble pas marqué par cette décision. Il ne laisse rien paraître, en fait. À l'issue de son procès, Guy a immédiatement fait appel de sa condamnation. Mais 10 jours plus tard, il meurt d'une crise cardiaque. Il emporte ainsi avec lui ses secrets. Il y a beaucoup de choses qui laissent penser que c'est lui, mais au niveau de la justice, il restera présumé innocent pour l'éternité. Et au final, le plus malheureux dans cette histoire, c'est les filles. Ils ont perdu leurs parents. Voilà, ils sauront jamais. En fait, c'est l'affaire d'un homme qui s'est retrouvé seul face à la rumeur publique qu'il a désigné dès le départ comme étant le meurtrier de sa femme. Et malgré un an d'enquête, on n'a aucune preuve formelle, aucun aveu, rien qui prouve à 100% que Guy est le meurtrier de Dominique. Et aujourd'hui, on ne pourra vraiment jamais savoir puisqu'il est mort. Crime est donc installé ce soir dans l'Aisne et nous partons à présent à 30 km de Saint-Quentin dans une petite ville qui s'appelle Guise et qui compte 6 000 habitants et parmi eux, il y a Bernard.
Ce retraité de 62 ans a travaillé toute sa vie à l'usine. Il n'est pas marié, n'a jamais eu d'enfant. Et il mène une vie plutôt discrète dans une maison dont il est propriétaire. Il s'entend bien d'ailleurs avec ses voisins qui ne lui connaissent aucun ennemi. Mais un jour, il est victime d'une très violente agression et laissé pour mort dans la rue. On est le matin du 6 août 2012 et c'est un promeneur qui découvre un corps inanimé près de la gare de Saint-Quentin. Il alerte la police. Les policiers, qui pourtant sont habitués à voir des choses sordides, diront qu'ils ont été marqués par l'état du corps. Les enquêteurs ont pu dire qu'en fait c'était un amas de chair, le visage, qu'on distinguait plus les yeux, plus le nez. On évalue son âge entre 55 et 60 ans peut-être maximum. Il est recroquevillé sur lui-même, légèrement sur le côté. Il est dans un état semi-conscient, effectivement, mais est incapable de s'exprimer, d'exprimer la moindre chose, la moindre information sur lui, sur ce qui a pu se passer. Les vêtements qui sont fortement abîmés, comme si la personne avait dû se bagarrer, avait dû lutter. Très rapidement, les policiers comprennent que c'est tout sauf naturel et qu'une enquête devra être diligentée pour savoir ce qui s'est passé. C'est un homme sans nom et c'est un homme sans visage qu'on retrouve ce matin-là. Il n'a pas de papier sur lui. On ne sait pas qui on a affaire, on ne sait pas ce qu'il fait là. Est-ce que c'est quelqu'un de Saint-Quentin? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur? Est-ce que c'est un sans domicile fixe? C'est quelqu'un de passage? Avec la gare à proximité, on s'interroge bien évidemment sur les raisons de sa présence, mais on n'a aucun moyen de l'identifier pour le moment. Après quelques minutes, c'est au tour des secours d'arriver sur les lieux et de prendre en charge l'homme inconscient. Les policiers, quant à eux, fouillent les environs. On retrouve une pochette, effectivement, avec des papiers à l'intérieur qui ne correspondent absolument pas à cette personne. L'individu s'appelle Grégory et il a 26 ans. Il est ce qu'on peut appeler un marginal. Quelqu'un qui a eu une enfance difficile, des rapports extrêmement compliqués, notamment avec son père, et assez rapidement qui a décidé de se mettre en marge de la société. Ignorant encore son rôle dans cette affaire, le brigadier-chef Philippe Chrétien et son équipe décident de ne pas le convoquer tout de suite. Le temps peut jouer pour nous en disant comment va-t-il réagir, lui, par rapport à cette perte de papier. Ça va être intéressant de savoir s'il va faire quelque chose déjà et si les informations qu'il va rentrer dans le cadre d'une déclaration de perte, notamment de sa pièce d'identité, vont nous aider à orienter aussi l'enquête. Ensuite, la première étape des services d'enquête, ça va être d'identifier la victime. On appelle un témoin. La semaine suivante, le jeudi soir, un peu avant 18h, je reçois un coup de téléphone et une personne qui me dit « Je crois peut-être savoir qui est la personne que vous avez retrouvée à Saint-Quentin. Cette personne, elle nous appelle de Guise. Elle exprime que ce monsieur serait un de ses voisins. » qu'elle connaît et qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs jours, effectivement. Il n'est pas rentré, il serait parti, effectivement, aux alentours du week-end du 4-5 août 2012 et n'est pas rentré depuis.
Selon le témoin, l'homme s'appelle Bernard. Une information qui sera ensuite confirmée par la famille de la victime. On vous apprend que votre frère il a été ramassé, effectivement, et qu'il est couvert d'hématomes, forcément, ça choque. Ils sont en interrogation, ils ne comprennent pas. Ils essayent de nous aider, de nous apporter un maximum de renseignements. Bernard est donc retraité, il a 62 ans. On nous le présente comme quelqu'un de plutôt gentil, mais d'assez renfermé, très isolé. C'est un petit homme, propriétaire d'une petite maison, qui en apparence mène une petite vie tranquille. Il va s'occuper avec beaucoup de dévouement de sa maman jusqu'en 2012. Sa maman qui va décéder cette année-là. Pendant 40 ans, Bernard a travaillé dans la même usine de fonderie. C'est un monsieur qui est entré à 14 ans à l'usine Godin, à Guise, qui est l'employeur principal et quasi exclusif de la ville de Guise à l'époque. Il est d'ailleurs entré à la suite de son père dans cette usine. Il va y faire toute sa carrière jusqu'à l'âge de 50 ans. Bernard est quelqu'un qui fait pas de bruit, qui n'est pas quelqu'un d'expressif. On nous présente comme quelqu'un de très très renfermé, très très replié sur lui et sans conjoint, sans famille, sans enfant. Une vie sans histoire, il s'entendait bien avec ses voisins, il avait des contacts réguliers avec sa famille, on ne lui connaissait pas d'ennemis, ce qui rendait d'ailleurs cette agression d'autant plus inexplicable. À partir des auditions de ses proches et de ses voisins, les enquêteurs reconstituent l'emploi du temps de la victime. Bernard est sorti dans la journée, il est revenu dîner chez lui et il est ressorti à 21h au volant de sa voiture. Mais les policiers n'ont aucune idée de ce que Bernard est parti faire ce soir-là en prenant la route à 21h, même si le voisin dit que ça lui arrivait régulièrement. L'enquête va démontrer que Bernard a des relations plus ou moins suivies avec des partenaires, mais fréquente aussi le quartier de la gare à Saint-Quentin, qui en soirée est un lieu de rencontre homosexuelle, on va dire plus furtive. Autre élément qui va guider les enquêteurs, un mois environ après l'agression, à la fin du mois d'août, la banque alerte les proches de Bernard pour dire que son compte en banque a été complètement vidé, qu'il est même négatif. C'est un compte qui avait à peu près 8000 euros et qui est passé à moins 400 euros en 3 semaines alors que son possesseur est dans un état comateux. Ces mouvements bancaires ont interpellé puisque en fait ils ont donné lieu à des dépenses assez impressionnantes qui ne correspondaient pas à la personnalité de Bernard en fait. Et c'est là-dessus que les services de police en fait vont travailler. Et puis la banque est plus précise d'ailleurs, elle explique à quoi a servi la carte bancaire de Bernard, notamment acheter un ordinateur dans un supermarché de Saint-Quentin et puis à opérer des retraits à Deauville à la fin du mois d'août. Qui ont complètement vidé le compte. On a besoin d'établir des choses. On a, au niveau des retraits bancaires, des paiements, des choses à exploiter, des vidéos, la nature des achats, les lieux. Tout ça pour effectivement voir si on a affaire à une personne, plusieurs personnes qui utilisent la carte. Les enquêteurs commence par analyser les images de vidéosurveillance de la place Cromelin à Saint-Quentin.
Et là, on ne reconnaît pas du tout Grégory, le premier homme vers lequel les soupçons s'étaient orientés, puisque sa sacoche avait été retrouvée sur le lieu du crime. Mais on reconnaît deux autres hommes, d'origine africaine tous les deux, connus à Saint-Quentin. À savoir, Mamadou et Demba. Demba est né en France, à Montreuil, en région parisienne. Il a vécu en banlieue parisienne toute sa vie, sauf 6 ans qu'il est allé passer au Mali avec ses parents qui sont originaires de ce pays. Il a eu 2 enfants d'une précédente union et il a eu un enfant à Saint-Quentin avec sa compagne et c'est pour ça qu'il s'y est installé. Il n'a pas de diplôme, il a fait des petits boulots mais il n'a pas de position professionnelle établie. Mamadou lui est né au Mali et il a vécu toute son enfance au Mali. Il est arrivé en 2009 en France clandestinement. Il a eu un premier enfant quand il vivait en région parisienne et puis il s'est assez vite établi à Saint-Quentin. Il a des antécédents judiciaires hein, puisqu'il a été condamné 7 fois, notamment pour des trafics de stupéfiants et pour des violences. Grégory va être placé dès l'âge de 5 ans. De ses 5 ans à ses 10 ans, il va faire l'objet en fait, d'un placement dans une famille d'accueil. Il va ensuite retourner au domicile maternel. Sa mère va refaire sa vie, mais malheureusement, le beau-père aura des problèmes d'alcool. Un autre individu va émerger des images de vidéosurveillance. On voit quelqu'un qu'on connaît très bien au commissariat de Saint-Quentin, qui est Raphaël. C'est un jeune ado qui fait des passages réguliers dans nos services. C'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on identifie rapidement. Il a été le plus jeune détenu de France. À l'âge de 13 ans, il s'est retrouvé en détention, après avoir déjà commis de nombreux délits. Il se vante lui-même d'avoir fait son premier coma éthylique à l'âge de 10 ans. Il s'est retrouvé en couple à l'âge de 11 ans, son père s'est jamais occupé de lui, sa mère a essayé tant bien que mal, mais sa mère faisait de fréquents séjours en maison d'arrêt, ce qui rendait très compliqué le suivi. Les enquêteurs ont désormais 4 suspects. Raphaël, Mamadou, Demba et Grégory. Ils font partie d'un groupe qui se réunit souvent, effectivement, au niveau du Palais des Sports, qui a tendance à consommer souvent de l'alcool, souvent de la bière, notamment bière ou vodka. Ils vont être, je dirais, dans le circuit de surveillance, notamment avec des écoutes téléphoniques, hein, puisque là, les investigations vont durer plus d'un an, pour pouvoir réellement identifier qui a fait quoi. Mais l'affaire va prendre une toute autre tournure, au mois d'avril 2013. Lorsque Bernard succombe à ses blessures, après 8 mois de coma. Il va décéder de problèmes pulmonaires aggravés par les problèmes neurologiques. Ce point-là ne va faire aucun doute, sa mort est directement liée à l'agression qu'il a subie au mois d'août. On est dans le cadre d'un vol avec violence ayant entraîné la mort. Ce n'est plus un délit, c'est un crime. Et c'est puni par la peine maximum que prévoit le code pénal, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Plus d'un an après le drame, la brigade de Philippe Chrétien se prépare à interpeller simultanément les 4 suspects. L'objectif est de les prendre à leur domicile au petit matin. Il se trouve que dans la soirée qui précède, Raphaël est contrôlé, un contrôle de police dans le cadre d'une intervention. Donc bien évidemment, il sera immédiatement placé en garde à vue. Raphaël va dire que ce soir-là, comme il le faisait souvent, il traînait, il est tombé sur une bande de 3 grands, comme il dit, qui avait commencé à importuner un petit monsieur qui disait rien, qui avait l'air craintif. Ces 3 grands, comme le dit Raphaël, il les croise parfois dans les rues de Saint-Quentin. Mais il assure ne connaître que leur surnom. Il identifie formellement sur planche photographique les 3 personnes qui, d'après lui, ont agressé Bernard. Et ces 3 personnes, c'est Grégory, Mamadou
et d'Emba. Raphaël dit que Grégory va l'inviter à se joindre finalement à la Rix, lui disant « Allez, vas-y, mets-lui deux claques et nous, on le finira. » Il reconnaît qu'il a mis ses deux claques. Il dit qu'ensuite, il s'est écarté et puis qu'il a vu les trois autres s'acharner sur Bernard. Ils vont essayer de lui soutirer de l'argent. Ils vont le frapper tour à tour, lui prendre ses clés de voiture, son argent et puis sa carte bancaire et obtenir bien évidemment son code de carte bancaire. Raphaël explique qu'il était à ce moment-là 23h. Dès le lendemain de cette audition, Grégory, Dimba et Mamadou sont arrêtés, puis placés à leur tour en garde à vue. Grégory, dans un premier temps, nie toute implication dans l'agression de Bernard. Alors on lui demande pourquoi sa pochette a été retrouvée sur les lieux et il explique qu'il s'est fait voler sa pochette. Le problème, c'est qu'il a certes porté plainte pour le vol de sa pochette, mais pas le lendemain ou le surlendemain. Il a porté plainte que 2 mois plus tard. Et ça, il a beaucoup de mal à expliquer pourquoi il a attendu tant de temps pour porter plainte. Il y a un des enquêteurs qui a indiqué qu'il y avait 5 versions. 5 versions différentes de Grégory en ce qui concerne la commission des faits. À un moment, il était là, à un moment, il n'était pas là. Il était dans un bus avec sa compagne. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Dimba va lui aussi réfuter toute implication dans l'agression de Bernard. Il va s'expliquer de manière très légère, minimisant beaucoup par rapport à l'ensemble des retraits, des paiements qui ont été faits. Voilà, il va nous laisser venir, quoi. Il nous laisse venir. On lui mette sous le nez les photos des vidéos, où il fait des retraits, etc. Il va reconnaître l'utilisation de la carte bancaire en expliquant qu'une connaissance lors d'une soirée ou d'une après-midi un peu festive, lui aurait remis une carte bancaire avec un code et lui aurait dit de se régaler. Il se doute bien que la personne qui lui remet, et il peut le constater lui-même, n'est pas le nom qui figure sur la carte bancaire. Donc l'origine crapuleuse, en tout cas, de cette remise, elle ne fait pas beaucoup de débat. Il dira tout simplement qu'il ne s'est pas posé la question et qu'il y a vu une opportunité de faire de l'argent facile. Auditionné à son tour, Mamadou soutient qu'il n'était pas à la gare de Saint-Quentin ce 5 août 2012. Malgré leurs versions différentes, les 4 suspects sont mis en examen le 8 octobre 2013 pour vol avec violence ayant entraîné la mort. On a ce qu'on appelle un faisceau d'indices, mais c'est vrai qu'on n'a pas la preuve absolue dans ce dossier. On n'a pas l'ADN qui aurait été retrouvé sur un couteau à côté du corps. On n'a pas les aveux d'un des auteurs, à part les aveux du mineur qui implique les autres. 1 an et demi plus tard, au mois de mai 2015, Raphaël, mineur au moment des faits, passe devant un juge pour enfants et écope de 4 ans de prison. Il y avait la famille qui était présente et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'attend malheureusement qu'une seule chose, c'est la vérité. Elle essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, quel a été le mot qui a pu déclencher une telle altercation, quel a été le mouvement, qu'a pu-t-il dire, quand il est tombé, est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il a... Vous voyez, c'est ce ressenti. On aimerait savoir dans quelles conditions cet homme est tombé. Les 3 accusés vont être dans la droite ligne de leur attitude pendant l'instruction. Ils nient en bloc. Et ils sont enfermés dans cette version. Ils ne peuvent pas s'excuser de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, d'une agression à laquelle ils n'ont pas participé. Ils regrettent bien évidemment avoir utilisé cette carte sans se poser plus de questions.
c'est un moment fort du premier procès, c'est la déposition de Raphaël qui arrive, alors encadré par je ne sais plus combien de personnel de l'administration pénitentiaire, parce qu'il est considéré comme un détenu à risque. Donc il y a plein d'hommes en uniforme bleu autour de lui. Sur le fond, c'est qu'il réitère ses accusations, il dit c'est bien ces trois-là qui étaient près du monument aux morts cette nuit-là et qui ont roué de coups. Il ne va pas vraiment, je crois, mesurer l'importance de ses propos devant une cour d'assises. Il est en plein spectacle, en pleine provocation. Il va même conseiller à la présidente de cour d'assises de fumer un joint pour se détendre. Ça vous donne un peu l'idée du personnage et de l'importance qu'il va accorder à son témoignage, qui pourtant l'est, lui, de première importance, puisque c'est pratiquement le seul élément à charge. Après avoir multiplié les versions lors de l'instruction, Grégory reste sur la dernière en date. Effectivement, il a vu une scène de violence, mais qu'il n'a absolument pas participé. Qu'il était présent, qu'il ne s'est pas interposé, mais qu'il n'a pas participé. Il a vu des coups donnés, mais il a vu ça d'un œil extrêmement éloigné, extrêmement lointain, et qu'en aucune façon, il a donné les coups. Dimba et Mamadou se montrent très vindicatifs devant la cour d'assises. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font sur le banc des accusés. Et ils rejettent la faute sur Raphaël et Grégory. Ils nient en bloc. Leurs explications ne sont pas toujours très claires ni très convaincantes. Mais ils sont dans la dénégation complète et donc ils entraînent leurs avocats dans cette dénégation complète. Ils sont pas repentants à l'audience, mais comment pourraient-ils l'être puisqu'ils disent qu'ils sont innocents? Appelés à témoigner, les compagnes des accusés défendent bec et ongles les prévenus. Ça va être un festival en fait, un festival de je sais pas, je me souviens plus, ou d'énormité. Elles veulent tellement couvrir leurs hommes que quelquefois, elles en font trop et eux ont avoué des choses qu'elles continuent à nier à leur place. Le 27 novembre 2015, la cour d'assises de Laon condamne les trois accusés à 20 ans de prison. Grégory, Dimba et Mamadou font immédiatement appel. Et 10 mois plus tard, se tient un nouveau procès. La grande nouveauté, c'est que Grégory dit « Ben oui, maintenant je dois vous dire la vérité, en fait j'y étais et j'ai frappé ce soir-là. » C'est un vrai coup de théâtre parce qu'on va apprendre que la compagne de Grégory n'était même pas au courant de son changement de ligne de défense. Il dira qu'il n'était pas seul. Il dira que des coups ont été portés par les personnes qui sont avec lui dans le box. Il ne va pas nommer, identifier, dire qui a porté quoi, qui a mis quoi au niveau des coups, coups de poing, coups de pied ou encore, je dirais, des claques, hein, c'est important, de peur de représailles. Il va être mis en porte-à-faux par les deux autres qui vont continuer de contester les faits. Vous imaginez un peu l'ambiance même dans le box. Le 23 septembre 2016, la cour d'assises de Beauvais réduit la peine de Grégory à 10 ans de prison et celle de Dimba et Mamadou à 16 ans. Malgré un verdict plus clément, ce procès en appel marque l'aboutissement d'un combat judiciaire pour les proches de Bernard. J'espère qu'ils sont un peu plus soulagés d'avoir des réponses à leurs questionnements. On n'a jamais toutes les réponses, malheureusement. C'est important, je crois, pour eux d'essayer, effectivement, il faut passer à autre chose après ce genre d'événement et ce genre d'expérience. Comme dans beaucoup de dossiers, c'est l'histoire d'une fatalité. C'était un quidam, la victime. Une personne qui ne provoquait personne, qui n'avait pas d'ennemis connus et qui a juste eu le malheur d'être au mauvais endroit, au mauvais moment.
Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.